Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. On est quelle date aujourd'hui? On est le 7 décembre 2022, alors merci beaucoup d'être là aujourd'hui dans notre rendez-vous quotidien pendant le mois de décembre. Et je remercie beaucoup la centaine de personnes qui prend le temps de regarder cette vidéo que j'essaie de faire à tous les jours, mais je dois vous dire que j'ai triché pour les deux dernières journées. J'ai triché lundi, mardi, j'ai tout filmé ça dimanche et j'ai même changé de chandail pour faire l'illusion que j'avais fait ça des journées différentes. Ben oui, parce que j'avais des soirées, j'ai mon travail là, qui m'occupe beaucoup mes journées, je dois vous avouer, étant enseignant, j'ai comme pas le choix. Et lundi soir, j'avais une soirée de prévue avec Stéphane. Ben oui. Alors, Stéphane et moi qui avons eu la chance d'essayer Skyrim, The Adventure Game, ensemble. Puis, je pense que ce que j'ai l'intention de faire, c'est soit on va en parler dimanche prochain, Stéphane et moi, où on va faire une vidéo style rapport de mission ensemble. On a joué dans le fond le premier chapitre de la campagne 1. Je pense que 3 chapitres par campagne. Il y a 2 campagnes dans la boîte. On s'est installé vers quoi? Il était peut-être 18h30, 18h45 à installer le jeu. Bon, il n'était pas dépunché, faut-il le dire. Puis on a terminé tout ça à 23h15. Ça a été une très longue soirée et puis je vais vous en parler beaucoup. J'ai envie de vous jaser un petit peu aujourd'hui. J'espère que vous allez pas m'en vouloir. Je vais mettre dans la description de la vidéo un lien si vous voulez vous rendre directement au calendrier de l'Avent. Mais Skyrim, c'est le fun, c'est bien, mais c'est quelconque. Puis je pense que honnêtement, c'est un petit peu comme Stéphane s'est senti aussi. Il pourra sûrement nous en parler, mais c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est beaucoup trop alambiqué. Je pense que je commence à aimer le mot alambiqué. C'est beaucoup trop alambiqué pour rien, je pense. Puis c'est un jeu où on lance des dés, on lance des dés, on lance des dés et on lance des dés. On se promène sur un très beau plateau. On fait des missions, c'est supposément coopératif, mais moi, je vois pas ben autre chose qu'un jeu solo, parce que même à deux, on est très... Bon, oui, on peut faire des combats ensemble, mais je sais pas. Je peux pas dire que j'ai pas été excessivement impressionné par le jeu. Puis l'aspect, je pense, que je voulais qu'il soit le plus hot, c'était l'histoire, puis je me sens pas du tout investi dans cette histoire-là. Fait que comme vous pouvez voir, un peu déçu, mais toujours en vous disant que j'ai eu du fun. Ça, mais c'est parce qu'il y a tellement de jeux de société sur le marché présentement que quand tu arrives avec ça, puis tu joues à ça, puis au prix qui coûte aussi, puis je rappelle encore une fois, The Elder Scrolls 5 Skyrim The Adventure Game ne vaut pas le prix qu'il est vendu en magasin. Je sais que les gens qui l'ont backé l'ont eu moins cher, et c'est tant mieux, mais ça ne vaut pas le prix en magasin. Les figurines sont magnifiques, mais le reste, ce ne sont que des cartes, ce sont des minuscules jetons. Ce n'est pas des gros jetons, des minuscules jetons. Bref, pas super. Fait que ça, c'était lundi soir. Et hier soir, je suis allé voir mon ami Patrick Roson, et là, j'ai essayé Wayfarer of the South Tigris de Sham Philip, qui est le tout nouveau, qui sont rendus maintenant dans le sud. Et là, je dois vous avouer que je pense que j'ai eu une constatation de flémèche qui m'est arrivée dans ma tête. Je pense que j'ai une certaine fatigue des jeux de société complexes. Voilà, je pense. Hier, je me suis installé avec Patrick à Wayfarer de South Tigris, qui est quand même un jeu... Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses sur le tableau qui se passent sur le plateau. Là. C'est un jeu, là, c'est sûr que je vais faire une vidéo de ça. Il y a un mode solo que je n'ai pas essayé, j'ai joué à 2 joueurs. Ça a été une partie quand même qui a duré 2 heures, mais je pense que mon ami Patrick avait des petits problèmes de paralysie d'analyse hier. Il y a tellement de choses à faire, mais ce que j'ai trouvé rafraîchissant, c'est que je pense que là, je suis tanné des jeux de campagne. Je pense que là,
J'en ai jusque-là des jeux de campagne. Les jeux que j'ai eu le plus de fun dernièrement, c'est Endless Winter, Wayfarer of the South Tigris. Je pense que les jeux de style euro, c'est à ça que je veux jouer présentement. Puis je pense que les Skyrim avec 50 pages de règles. Tu sais, oui, j'ai ISS Vanguard, puis ISS Vanguard, je me suis investi. Je me souviens des règles, puis les règles sont pas si compliquées que ça. Lui, je vais m'investir, mais tous les autres jeux de campagne, là, honnêtement, présentement, même Chronicles of Runagore, là, pour l'instant, je pense que je vais les mettre de côté et je vais y aller avec les jeux qui me tentent vraiment beaucoup, comme Wayfarer. Puis je sais que j'en ai quelques-uns que je vais recevoir de mon commanditaire, La Pioche. Tile Tom, j'ai Lacrimosa que j'ai commandé. Il y a G.I. Joe que j'ai reçu finalement, Crisis Protocol, je pense qu'il s'appelle, qui semble vraiment simple. J'ai hâte de l'essayer aussi. Endless Winter que je vais aussi vous présenter. Bref, je me suis rendu compte de ça. Puis je pense que en réfléchissant à ça, puis en écoutant Secret Cobalt Gaming Podcast, qui parlait aussi, il y a Don qui lui a essayé dans Secret Cobalt, qui a essayé de Weather Machine, puis qui a dit que c'est un jeu qui était trop complexe, puis que là, je pense qu'il était tanné, même que Vital Lacerda essaie toujours de rendre ses jeux de plus en plus complexes. C'est peut-être parce qu'on vieillit, peut-être que c'est parce qu'on vieillit, mais je pense qu'on est capable d'avoir des jeux comme celui-là, excessivement complexes dans ses stratégies, sans nécessairement tomber dans l'incroyable fastidieuse compréhension et étude des règles. Je pense que c'est ça l'idée. Skyrim, là, c'est beaucoup trop compliqué. OK? Skyrim, là, je vous le dis, là, je suis déçu de Skyrim, mais je le savais en lisant les instructions. Skyrim, là, c'est à ça que ça ressemble, un livret d'instructions de Skyrim. C'est-à-dire, Skyrim, c'est 50 pages. Okay. De lecture comme ça, et il n'y a pas d'exemple. Les seuls moments où on nous explique tout plein d'affaires sur les cartes, puis là, c'est à la fin que tu arrives, puis que là, il t'explique c'est quoi les éléments des cartes. C'est très, très mal fait. Il y a un tutoriel, par contre, dans Skyrim. Okay, il y a un tutoriel qui est très bien fait. Le tutoriel, d'ailleurs, je vous recommande, si vous achetez du Skyrim, lisez pas le livret d'instruction tout de suite. Faites le tutoriel. Parce que le tutoriel, c'est un exemple. Puis je pense qu'on a fait un tutoriel, Stéphane et moi, en passant, au complet. Puis il y a des choses que j'ai mieux compris en faisant le tutoriel qu'en lisant le livret d'instruction. Fait en écoutant ça de Secret Cobalt, puis là, c'est ça, de Weather Machine, je regardais cette complexité-là, ça ne me tente pas. Je me suis dit, ben, je pense que je suis tanné. Puis je pense qu'on va en parler dimanche dans la zone du dimanche. Est-ce que la fatigue des jeux de société existe? Puis c'est pas une question de fatigue de plus jouer à des jeux de société, parce que c'est pas ça. Lundi soir, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Stéphane. Hier, avec mon ami Patrick, j'ai eu du fun. Donc, je veux jouer à des jeux de société. Les parties Splendor Duel, j'ai joué avec ma fille. Incroyable. Je pense que c'est les types de jeux, et c'est les types qu'il y a de plus en plus sur le marché. Fait que voilà. Je pense que je suis dû pour faire ceci n'est pas une autre. Ceci n'est pas une zone du dimanche. Je pense que j'ai envie de vous jaser ensemble de différents sujets. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui suivent le podcast de l'autre côté du plateau, on a terminé. Mais ceux qui suivaient le podcast de la zone de jeu de société, j'ai enlevé le podcast, j'ai arrêté de payer. Mais j'ai des idées hein, pour l'avenir. La sixième saison, je dis souvent à plein de personnes que la sixième saison de la zone de jeu de société pourrait peut-être être la dernière. Mais c'est pas que c'est la dernière saison de la zone de jeu de société. C'est pas que je veux arrêter de faire la chaîne. Mais je veux peut-être commencer à la faire différemment. Mais je vous en parlerai. Ça fait partie de mes grandes réflexions que j'ai. Quand je regarde mes vidéos, quand je regarde par exemple mes vidéos de top qui fonctionnent bien, mais que certaines personnes n'aiment pas, puis c'est correct, je respecte ça. Quand je regarde par exemple des vidéos comme je fais là tous les jours, qui je fais des vidéos pour 160, 170 personnes, 200 peut-être. Mais je pense que les gens, ce qu'ils aiment, c'est entendre des gens discuter. En tout cas, bref, je vous reviendrai avec tout ça. Ben voilà, je pense que je suis maintenant prêt à me rendre dans le jour. Aujourd'hui, on est le 7 décembre. Hier, vous avez beaucoup ri en m'écoutant chanter. Je pense que c'est mon ami de Ludi Solo qui m'expliquait, qui me disait que
elle aussi trouvait que c'était pas le, pour l'instant, que c'était meilleur l'année passée que celui de cette année. Je confirme que pour l'instant, je trippe pas énormément sur l'histoire. Je sais pas qui m'en a parlé également dans les commentaires, je suis désolé, mais je sais qu'il y en a qui en ont parlé. L'histoire, j'embarque pas parce que on est dans un village, mais on se promène de pièce en pièce, en passant donc d'un élément de Noël à un autre. C'est correct, j'apprécie ça, mais on dirait qu'on a perdu un peu l'histoire. Je trouve, l'histoire l'année passée était beaucoup plus fun. Parce qu'on suivait vraiment, bon, il y avait comme une enquête, puis je ne divulgâcherai pas encore que vous ne l'ayez pas fait. Mais cette année, ça semble un petit peu plus décousu. Mais hey, on est juste le 7 décembre, peut-être que les choses vont changer. Donc voilà, fait que je me prépare, je place les choses, je vous reviens. Puis oui, j'enregistre ça vraiment le 7 décembre. Alors, on y va. D'ailleurs, je remercie beaucoup mon ami Stéphane qui a mis deux vidéos ce matin de Carnival Zombie, qu'il faudrait bien que je regarde aussi. Parce que c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup. Et ça se pourrait que je vous coupe ça en plein milieu parce que je sais que ma fille s'en vient et arrive bientôt de l'école. J'avais pas de cours cet après-midi. J'en ai profité pour écouter un film de Noël. Oui, pour me reposer un petit peu. Puis là, je fais ça. Je fais le montage, je mets ça en ligne. Je vous fais peut-être probablement deux autres montages pour la semaine. Puis après ça, ce soir, je pense que je continue God of War. Ouais, parce que. Ça me tente de jouer à ça. Alors, on y va, on est rendu le 7 décembre. C'est l'histoire de la journée. Alors, allons-y ensemble. On y va. Alors, this time, parce qu'évidemment, si vous vous rappelez bien, on saute de pièce en pièce d'une façon magique, incroyable. Puis à chaque fois, on se ramasse à quelque part de nouveau. Alors, this time, you walk into a kind of detective office. Oh, alors cette fois-ci, on arrive dans un bureau de détective. You look out of the window. Alors, on regarde à l'extérieur de la fenêtre. Et oui, on est effectivement où on pense qu'on est, sur la rue Baker, donc Baker Street. So you are probably in London. Alors, là, on est maintenant rendu à Londres, imaginez-vous donc. In fact, a lot of things as here remind you of stories about the famous master detective Sherlock Holmes. En fait, plusieurs choses ici nous permettent de nous remémorer de magnifiques et extraordinaires histoires du grand maître détective Sherlock Holmes. The crackling fireplace, the wing chair, alors la fireplace, là, la cheminée et le foyer, voilà, je cherchais le mot. The wing chair, alors ça doit être la chaise berçante. This room is just really cozy and right away you feel at home. Alors, cette pièce est vraiment agréable et on se sent bien à la maison. Though that heavy wallpaper may be too old-fashioned for your liking. Alors évidemment, on regarde le papier peint et peut-être qu'il est trop vieux pour ce que l'on aime. If only you could do a little home improvement. Alors seulement si on pouvait faire un petit peu d'amélioration. Who knows, maybe with a bit of graffiti, a yellow smiley face or something, you stop your daydreaming and continue looking around. Alors on commence à imaginer des façons de peut-être changer le décor et là, on s'arrête et on continue de regarder autour. Someone has carelessly left a violin on the floor. Oh non, pas une affaire de musique encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, quelqu'un qui a laissé un violon sur le plancher. On the wall hangs a large pinboard. Alors, sur le mur, il y a un gros tableau. Littered with notes, rempli de notes. Photographes et newspaper clipping. Alors, il y a des photographies et aussi des articles de journaux. Many of them have fallen and are scattered on the ground. Alors, plusieurs sont tombés sur le sol. Obviously, you should be looking for the golden book. Alors, évidemment, on devrait regarder pour le livre doré. But your fingers itch to investigate this mystery. Mais évidemment, on a envie d'enquêter ce mystère. If there really is a detective at work here, then you have to see what is working on. Bien évidemment, hein, étant donné que s'il y a un détective qui travaille ici, il faut regarder sur quoi il travaille présentement. Who knows, maybe you can help and leave him a tip. Alors, qui sait, peut-être qu'on est capable de l'aider et de lui laisser un peu d'argent. After all, you're always up for working on an exciting puzzle. Évidemment, on aime ça, travailler sur des bons puzzles. You take a closer look at the pinboard. Alors, on regarde un petit peu plus at the pinboard. Please turn the page, then open door 7. Alors, on tourne la page. Ah, nous avons un beau pinboard. Regardez-moi ça. Et je dois ouvrir maintenant le numéro 7. Le numéro 7 qui est ici.
OK. Donc, il y avait justement beaucoup de choses, beaucoup d'affaires. Oh, on nous demande de... Oh là là. On, si vous regardez bien, on nous demande de découper des choses. Alors, on a Suspect Lady Hampshire, Jack Brett, Sir A. Conan Ball. Ensuite, on a Jack Brett is true to Sherlock Holmes. Ensuite, on a An Egyptian Pound. Ensuite, on a Evidence 10 Egyptian Pounds Statement of the Museum Attendant. OK. Ensuite, on a le Crime Museum, Crime Scene, Egyptian Museum, Kingston. Ensuite, on a deux autres affaires ici. Et on a le Motive, le Daring Art Theft. Daring Art Theft. Et là, si je regarde à l'intérieur, tout en essayant... Oh, il y a des choses décrites en dessous. The clues have plenty of holes. Can you see a solution? The clues have plenty of holes. OK. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses décrites, hein, d'ailleurs. Ensuite, c'est écrit... Am I going around in circles? A clockwise look from 12 might help connect a clue. Are you learning towards a solution? Puis c'est... Oh mon Dieu, c'est écrit sur le côté. What is so special about the man in the hat? The woman, the report on the other guy, the door on Kensington Road, and the crime scene. I urgently need to make a connection between all of these. Where is my red thread? Where my red thread? Bon. Alors, voilà. Faut que je coupe des choses. Je vous reviens. OK. Bon. Fait que... Là... J'imagine que faut que je les place comme ça parce qu'ils ont toute l'air d'être pinés comme ça. Donc là, j'imagine qu'il faut que je trouve la bonne façon de les piner. C'est ce que je me dis. C'est comme... Je sais pas si ça peut... Et comme ces deux-là, je suis pas mal sûr qu'ils vont là, d'après ce que je peux voir. Dans le fond, c'est ceux qui sont... C'est celui-là semble aller ici comme ça. Ensuite, le mauve puis le vert. Ils vont aller comme ça. Ensuite, le jaune. Le jaune et le rouge. Que le jaune et le rouge peut aller comme ça. Je pense que je commence à voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. C'est ma vision à moi, là, mais j'ai l'impression que ça, puis ça. Puis là, il faut regarder dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça qui est écrit dans la patente, fait que peut-être qu'on va avoir des chiffres. Ça se pourrait-tu qu'on ait des chiffres qui vont finir par apparaître? Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir une belle surprise. C'est comme ça ici. Faut que je les place comme il faut. C'est sûr que ça aurait été le fun si on avait pu les piner. Si on avait pu vraiment les placer. C'est comme celui-là, il s'en va là comme ça. Hein? Fait que là, j'ai comme l'impression que toutes les pins vont être utilisées en plus. C'est pas extraordinaire. Toutes les pins risquent d'être utilisées. Alors, celui-là, il s'en va là, comme ça. Puis celui-là, il s'en va là.
OK, fait que là, on voit définitivement un 2. OK, là, je ne sais pas si comme pour vous autres, vous voyez un 2. Sauf qu'ils disent qu'il faut le regarder dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, est-ce que c'est... Non, un 3, c'est de l'autre bord. Fait que ça marche pas. Est-ce que c'est par rapport au quart? Mais là, on voit définitivement un 2. Fait que ça, c'est un 2. Le pire, c'est que grâce à ma caméra, je pense que je peux avoir vraiment une vision du dessus. Fait que c'est-tu genre... C'est une simple question de positionnement. Si je le tourne, c'est une question de le tourner. Non, ça va rester la même chose. Mais est-ce que c'est genre 0? Non, 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 non. C'est écrit qu'il faut que je le regarde à partir de 12 heures dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Là là! OK. Donc là, je vais essayer de les replacer. Bon, fait qu'il y a définitivement un 2, mais j'aimerais ça que ça me saute aux yeux. J'aimerais ça que ça me saute aux yeux. Ça veut-tu dire qu'il faudrait que j'en enlève au fur et à mesure? J'imagine que non. OK, on va regarder encore ce qui est écrit dans les instructions. Okay? C'est écrit Ah, the clues have plenty of holes. Can you see a solution? Alors, les indices ont des trous. Pouvez-vous voir les indices? La solution. Bon. Ouais. B, c'est écrit. I'm going round in circles. A clockwise look from 12 might help connect a clue. Are you leaning toward a solution? Are you leaning? Leaning, ça veut dire s'approcher, se pencher. Puis dans le C, what is so special about the man in the hat? Ok, je probablement que c'est les trois clous. Moi, j'ai l'impression que le A, le B et le C, c'est trois façons différentes de voir l'indice. Ok, le premier chiffre, c'est a clue. The clues have plenty of holes. Can you see a solution? Les indices ont des trous. Pouvez-vous voir une solution? The clues have plenty of holes. Can you see the solution? Bon, moi, je suis pas mal sûr que le deuxième chiffre, c'est un 2. OK? On est d'accord là-dessus? OK? Moi, je suis pas mal sûr que dans mes trois chiffres de la journée, mon deuxième chiffre, c'est un 2. OK? Puis là, après ça, je pense que The clues have plenty of holes. Ah,
Alors, c'est une question de Oz. C'est un genre de casse-tête. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par de clues? Ok, je pense que je viens de voir. Je pense que je viens de voir. Voyez-vous, celui-là, c'est écrit Suspects Lady M. Shire, le I. Le I, il est comme ça. Voyez-vous ici le N. Le N, il est comme ça. Ensuite, on aurait un autre N dans Motive. Ici, si vous regardez. Motive Daring Heart Theft. Puis celui-là, c'est un E. Ben oui, c'est nine. Alors, on a un 9. OK. OK. Ça, c'était lequel numéro, celui-là? Là, on a trouvé une autre affaire. C'est A. Donc, le A, ça serait 9, 2. Puis là, pour ce qui est du troisième, oh là, ça va bien, là. Je trouve que ça va bien, là. OK. Le troisième s'écrit, qu'est-ce qui est spécial about the man in the hat? Donc, l'homme en chapeau. The woman, alors la femme, ok. The woman, the report on Jack, ça doit être the report on Jack, ici. The other guy. The door on Kensington Road. The door on Kensington Road. And the crime scene. OK. I urgently need to make a connection between all of these. Where is my red thread? Faut qu'on mette des connexions entre chacun. Où est mon red thread? Red thread, c'est mon fil rouge. Alors, est-ce que faut que j'y aille dans cet ordre-là? Ils ont-tu toutes des affaires rouges? Non. On va essayer. The man in the hat en premier. Après ça, c'est the woman. Alors, faut-tu que je fasse ça comme ça? The woman, the report. Non, ça marchera pas là. À moins que ce soit tout simplement. Ok, attendez. Je vais les replacer où ils étaient. Ok. Donc, admettons que celui-là ici, pour lui. Lui, si on se souvient bien, c'était lui. Si j'y vais avec lui, il était là, c'est celui-là. Elle, si on se souvient bien, c'est celui-là. The crime scene. Crime scene, il n'y a pas de rouge. Mais à moins qu'il faut que je réunisse tous les points ensemble. Peut-être que c'est ça. Donc ça ici, ça avec ça, puis finalement, ça avec ça. Alors, si
On les réunit tous. Si on les réunit tous, ça donne ça. Un zéro? Ça? Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Il parle pas de l'Egyptian pound, qui est dans le fond celui-là. C'est lui? C'est lui qui va là. Il parle pas de lui. Parce que c'était lui. Faut que j'établisse des connexions. Mais moi, je suis pas mal sûr. Écoutez, je sais pas, là. Il y en a. Vous êtes toujours là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça ne peut pas former un zéro, c'est beaucoup trop. Bon, à moins que si je les replace à leur place, okay, on va les replacer. Okay? On va voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire en les ayant placés. Là. Bon, lui est comme ça, lui est comme ça. Elle vient se placer comme ça. Celui-là, il est placé là. Lui, il est placé comme ça. Puis celui-là, il est placé comme ça. Comme ça. S'il faut que je les relie ensemble. Mais je les relie comment? C'est bien écrit Red Threads. Donc, ça a rapport avec le rouge. What is so special about the man in the hat, the woman, the report on Jack, the other guy, the door on Kensington Road, and the crime scene? I urgently need to make a connection between all of these. Where is my red thread? Ouais. Jack Brett is the true Sherlock Holmes. Attends. Suspect Lady Hampshire, Jack Brett, Sir A Cannonball. On va essayer de voir avec ce qui est écrit là. Evidence. 10 Egyptian pound statement of the museum attendant. Ça, c'était ça ici. Crime scene, Egyptian Museum, Kensington. Motive, daring art theft. Fait que ça, c'est les trois ensemble. Il manque juste un chiffre. Il m'en manque juste un. Faut que je fasse une connexion. Where is my red thread? Ben, c'est un zéro, man. Je vais y aller avec le celui qui est probablement le moins certain de toute la gang. Alors, le zéro. Alors, ça serait le fun, j'allais pour une première fois du premier coup que je le teste. Je le tourne de bord. Là, j'ai-tu encore 920? J'ai 920. Ok, regardons ensemble. Non, ça marche pas. Tout de suite, je peux vous le dire, ça marche pas. Le 2 fonctionne pas. Donc le 9 fonctionne pas non plus. Parce que là, si je pars de là, parce que là, en théorie, je pars d'ici. Donc je monte, là je descends, ça fonctionne pas. Fait que ça veut dire que. Ah non, attendez, ça ne veut pas dire que c'est le 0 qui est pas bon. C'est le 0. C'est le 0 qui n'est pas bon. Fait que c'est pas 0. OK? C'est pas 0. Les deux autres, je suis pas mal certain, mais là, ça, c'est pas 0.
Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être évident? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être évident? Bon, laissez-moi réfléchir, je vous reviens. Bon, alors là, ça fait quelques minutes que j'y vais de long en large. Fait que là, je me suis dit que probablement que faut pas que je touche à ça. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est que si je prenais un red thread, puis s'il faut que je les connecte tout ensemble, fait que lui, il va être connecté à lui, lui à lui, lui à lui, lui à lui, lui à lui, puis lui à lui. Donc, si on fait ça comme ça, ça va faire un 8. Donc là, c'est vers ça que je m'enligne. Okay? Donc là, je m'enligne vers un 9, un 2 et un 8. Alors, 9, 2. Et là, on change complètement le registre. 8. Et là, on va aller voir. Ça marche pas plus parce que ça fait la même Christie d'affaires. Bon, ben, mesdames et messieurs, ça fait longtemps. Puis moi, j'ai plus de patience cette année. Fait qu'on va aller voir encore une fois les aides de jeu. Donc, the first thing you should do is look at the riddle card. Whereupon you find piece of evidence, cut them out. Apparently they have fallen from the notice board, so it'd be good to put them back in the right place. Can the different colored pinball. Ça, c'est beau. J'ai compris ça. On passe au deuxième. The calendar sheet 7th December. Show a close-up of the notice board. Keep an eye out on the colored pin. Bon, ça, on a tout compris ça. They are the same... Je vais mettre un cam, hein? Je vais mettre ça plus proche. They are the same ones that can be seen on the piece of evidence. The colors and the distance of each other is exactly where... Well, c'est bon. After you have pinned everything correctly, take a look at the ints in room 7. They are labeled A, B, and C. The three ints. Et bon, ça, on a tout compris ça. Note allude to something missing. Something missing. Do you see a gap in the notice board? Why? Okay. Why? Okay. Note B indicate something weird, maybe something written weirdly. Ah, mais mon Dieu, je me serais donc trompé, ça serait 2-9. OK, j'ai mal compris mes affaires d'abord. Ah, non, je pense que c'est le 8. C'est le 8 décembre. Je pense que c'est demain qu'il y a une erreur dans le calendrier qu'il faut que je regarde. Hein. Note C, I like the terms connection and red. What's red on the bulletin board? Can you and how can you establish a connection there? Qu'est-ce qu'il y a de rouge dans le bulletin board? Bon, avant d'aller au numéro 3, on va retourner sur le bulletin board. Qu'est-ce qu'il y a de rouge? Ben, c'est les pins. On peut-tu mettre une connexion? Ben, si je relis ça à ça. À ça. Je fais ça. Ouais. C'est quoi les fameuses foutues connexions qu'on peut faire? C'est comme ridicule, là. Encore une fois, j'ai toujours un petit peu de misère. Cette année, c'est peut-être moi, là. Mais il me semble que c'est supposé être facile. Can you make a connection? Écoute, je m'excuse, je le vois pas. Je le vois pas. Je manque vraiment beaucoup. Fait que là, la troisième solution... Have you placed all the clues? Ouais, without a remote. Non. Le premier, c'est 2. OK, ça, on l'a trouvé. Le deuxième, c'est 9. C'est beau. Note C recommend that you connect something red together. There are 6 red pins on the board. They are in six different clues, all of which appears in the list
in C. Why? So, imagine a connection from one red pin to the next. C'est un zéro? Non? From the man in the hat, from the man in the hat to in a, from the man in a hat to the woman to the newspaper, report about Jack. Ouais, OK. To the second man. OK, ça fait un 5 parce qu'on suivait l'ordre dans lequel il nous le disait. Ah non, hey, je suis découragé cette année. Je suis découragé, je suis découragé. Est-ce que c'est moi? C'est-tu moi, là, qui suis pas pantoute cette année, mais je trouve ça plate. Je les trouve plate cette année. OK, donc, ça. Alors, ça, on va là, c'est-tu croissant carré L? Oui, ouais! Alors, on a trouvé le 8. Yes, sir. Bon. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était mon calendrier de l'Avent pour aujourd'hui. C'est toujours du fun. J'aime toujours ça. Mais là, cette année, je trouve ça tiré par les cheveux parce qu'il faut faire des connexions. C'est pas... Il n'y a pas de feuille pour le faire. Tu sais, je veux dire, est-ce que j'aurais pu le faire directement là-dessus? Mais c'est parce que pour faire des connexions ensemble, il faut les faire dans l'ordre qu'ils nous le disent. OK, c'est correct. Mais je trouve pas ça clair par rapport à ce qu'on voit. Le 2, on le voyait super bien. Les affaires des petites lettres, je trouve ça cool. Ça a fait le mot 9. J'ai trouvé ça cool. Mais après ça, quand il faut faire des dessins, j'ai de la misère. Bon, c'est peut-être juste moi qui ai de la misère en calvaire. Puis du ressentiment dans le sang. Alors, ben voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram, ainsi que mon Discord. Allez faire un petit tour également sur ma campagne Patreon, si ça vous tente de me donner un petit coup de pouce. N'oubliez pas, boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com. Allez, je vous remercie beaucoup de me suivre dans mes problématiques à tous les jours comme ça, de trouver les... de relier, mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire qu'en 7 jours, ça fait une semaine là, qu'on a commencé ça, je ne peux pas vous dire qu'en 7 jours, j'ai trouvé véritablement un puzzle là, qui était excessivement genre là, hors de ce monde, comme l'année passée. L'année passée, je me souviens de certains puzzles que j'ai fait avec la boîte, de certains puzzles que j'avais des petits morceaux de bois qu'il fallait placer dans un ordre, fallait regarder. Écoutez, il y avait des affaires qui étaient très ingénieuses, et là, pour l'instant, cette année, je ne suis pas encore là. Mais il nous en reste plein à faire, et je n'abandonnerai pas. Et à tous les jours, j'espère de pouvoir trouver une solution sans aller dans, d'aller dans les aides, parce que c'est écrit dessus « Beginner ». Wouh! Beginner, mesdames et messieurs! Alors abonnez-vous à la chaîne. Je dis toujours tout ça. OK, bye bye tout le monde.